Bonjour à tous, c'est Yota du 7-4 pour une nouvelle vidéo sur la redstone. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un pulseur. Alors, un pulseur, qu'est-ce que c'est? C'est une manière automatique de distribuer un objet, d'envoyer des potions ou des flèches. Alors, commençons tout de suite. Alors, il nous faut tout ce matériel-là. Autrement dit, un levier de la redstone, une torche de redstone, des répéteurs, des blocs bien sûr, des pistons et des dispensers. Voilà. Donc, pour réaliser le premier, nous posons un bloc comme ceci. Des blocs comme ça qu'on en cassera après. Voilà, ça nous fait une sorte de cuvette. Ensuite on place les blocs, on casse les blocs ici car c'est là qu'on va placer nos torches de redstone. Voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite on place une poudre de redstone ici. Et donc ça nous fait un pulseur très rapide. Il nous suffit de poser un levier ici pour arrêter. Et de poser un dispenser pour voir si ça fonctionne bien. Vous voyez, on entend bien qu'il balance quelque chose. Donc c'est parfait. Voilà pour le numéro 1. Après, le numéro 2, c'est un pulseur avec des courants inversés. Des simples torches de redstone. Disposer de façon à pouvoir clignoter. Voilà, comme ceci. Ensuite, on place notre poudre de redstone, notre bloc, une torche, une poudre, un bloc, une torche. Et voilà, tout est bon. On relie le tout avec de la poudre de redstone. Voilà. Ensuite, il nous suffit de rajouter un fil et d'utiliser un levier ou de mettre un bloc et de placer le levier comme ceci. Voilà. Donc on peut mettre notre dispenser ici et il tire également, mais plus doucement que ce dispenser là. On peut dire qu'en fait celle là c'est la fonction ultra rapide, la fonction lente et la fonction moyenne c'est celle-ci. Alors on pose un piston et un bloc comme ceci avec un fil de redstone. Voilà, comme ça. On place un bloc ici, une torche, deux torches, poudre, 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 là ici, et on relie le tout. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça grille. Alors, il suffit de placer un répéteur ici. Voilà, comme ça. Un levier ici. Et notre dispenser ici. Voilà. Alors, on replace le fil qu'on a cassé. Là, comme ça, et donc notre dispenser est arrêté, il ne fonctionne plus. On appuie, il envoie des flèches plus rapidement que celui-ci et moins rapidement que celle-là. Donc là-bas, c'est aussi la fonction la plus compacte.
Mais aussi celle qui gaspille le plus de flèches ou de projectiles, quel qu'il soit. Celui-là, c'est la fonction intermédiaire. Et ça, c'est la fonction lente. On peut le vérifier. Là. Voilà. Ça arrive petit à petit. Et là, c'est la fonction vraiment ultra rapide. Regarde, ça fume de tous les côtés. On ne sait plus quoi en faire. Voilà, en quelques secondes, j'ai quasiment récupéré tout ce que j'avais mis dedans. Voilà. Et voilà, c'était tout pour cette quatrième vidéo sur la redstone. Il s'agit, je le rappelle, du sponsor mitraillette. On va dire qu'ils vont servir pour le PVP, qui gaspille cependant beaucoup de projectiles, mais qui n'est pas inutile dans le sens de son efficacité. Et c'est tout, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, positifs ou négatifs, ça m'aidera à progresser. Et laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ou même abonnez-vous pour suivre, pour savoir quand seront les prochaines vidéos. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de Yota du 7K.